Pierre de Meusy, bonjour. Vous êtes PDG de Maison de Meusy, concept de boulangerie artisanale, pâtisserie et sandwicherie depuis 1922. Oui. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau? L'impact a été très fort il y a un an, donc au premier confinement, puisque tout le monde restait chez eux. Nous avons eu ensuite une bonne reprise derrière, et aujourd'hui tous nos magasins donc se portent vraiment bien, puisque nous sommes entre, je dirais, 5-10% d'augmentation pour la plus petite augmentation de nos magasins, jusqu'à plus de 50% d'augmentation pour le magasin le plus performant. Où en est le développement en franchise de votre réseau? Nous avons aujourd'hui donc une première franchise d'établi, ça a été, je dirais, le magasin pilote, et nous avons aujourd'hui donc un franchisé en formation chez nous, et puis trois autres contacts très très bien avancés qui vont se concrétiser cette année et en tout début 2022. Combien de boulangeries compte le réseau au total? Aujourd'hui, nous avons 10 plus donc cette franchise, et donc en tout, on devrait en avoir 3 de plus donc à la fin de l'année. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner votre réseau dans ce contexte? J'entends par là vos boulangeries en succursale, vos franchisés, vos futurs franchisés. Alors, nous avons donc des personnes capables de soutenir nos franchisés, donc que ce soit sur la partie technique pour le pain, où nous avons deux experts boulangers capables de se déplacer, de passer du temps, de former les franchisés, et ensuite de passer du temps pour les suivre et les accompagner pour obtenir toujours cette régularité de l'excellence. Nous avons également des experts vente qui sont capables d'accompagner le franchisé sur les actions de vente et de marketing à l'intérieur de son magasin. Nous avons un contrôleur de gestion capable également d'examiner les ratios du franchisé, et tout le processus de prise de commande et de logistique pour que tout fonctionne au mieux. Selon vous, quelles sont les conséquences de la crise du Covid sur votre métier? Ça paraît bizarre peut-être de dire ça, mais j'ai l'impression que les gens prennent conscience que le bon et le sain dans l'alimentaire, c'est primordial. Les gens reviennent aux bases, reviennent donc chez les artisans qui font vraiment des bons produits. Moi, je les vois revenir donc chez nous, chez mes collègues boulangers également qui font des bons produits. Par contre, tous les commerces ou GMS dont les produits ne sont pas à la hauteur peinent beaucoup plus. Est-ce que vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation? On a accéléré, je dirais, notre ambition de viser l'excellence que nous avons démarré il y a 3 ans. On a profité au premier confinement pour travailler énormément, encore plus les processus, pour innover d'autres recettes, pour renforcer donc nos techniques de vente. On s'est dit, ben voilà, on a une opportunité pendant ce premier confinement. Profitons-en, l'activité est moindre, mettons moins de monde que prévu au chômage partiel et consolidons-nous pour préparer l'avenir. Et aujourd'hui, ça commence à payer. Quels sont vos objectifs de développement franchise? Aujourd'hui, donc, nous avons 10 magasins en propre, un en franchise, plus les 3 que je vous ai annoncés. Et nous souhaitons, pour le moyen terme, donc d'ici 4 à 5 ans, multiplier le nombre de nos magasins par 5. Quelle région vous souhaitez couvrir en priorité? Aujourd'hui, donc, nous sommes basés dans l'Est, mais nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin sur la France entière. Quel type de ville vous visez et quels emplacements vous recherchez en priorité? Nous recherchons donc des villes avec un certain pouvoir d'achat, donc avec des flux également de clients assez importants, des emplacements avec soit un emplacement premium sur la circulation et un parking, et également donc l'idéal c'est d'avoir aussi une concentration d'habitation assez importante pour générer du flux de clients. Quel profil de franchisé vous recherchez? Est-ce qu'il faut être du métier, la boulangerie pour vous rejoindre? Non, pas du tout. Nous avons donc la capacité de former le franchisé à nos métiers de boulangerie. Le gros avantage, donc, c'est qu'il faut que cette personne-là se forme au métier de boulanger et à la vente. On ne lui demande pas de se former aux autres métiers que sont la pâtisserie, la viennoiserie, le traiteur. Nous lui fournissons donc tous ces autres produits et nous l'accompagnons vraiment de A à Z. Il est hors de question de lâcher le franchisé si l'on sent qu'il n'est pas encore prêt. Donc, on prend le temps qu'il faut. Nous, ce qu'on vise, c'est l'excellence. L'excellence pour les clients, pour le franchisé et pour le groupe de musique. Est-ce que vous avez des retours positifs de vos premiers franchisés par rapport à votre gestion de la crise? Parce que je crois que vous êtes lancé en pleine pandémie. C'est vrai que, aussi bizarre que cela puisse paraître, nous avons lancé notre première franchise à la sortie du premier confinement, une semaine ou deux après. Et en fait, moins d'un mois après le lancement, on dépassait déjà l'objectif de la 3e année qu'on s'était fixé avec cette dame qui a lancé sa franchise. Donc nous sommes très très contents des premiers résultats. Et est-ce que vous avez des retours de vos clients? Est-ce que d'une manière générale, l'avis de vos clients est une notion importante pour vous? J'imagine que oui, vous m'avez parlé de votre souci de la qualité.
Oui, alors on est très sensible par rapport à ça. Nous regardons donc les avis Google ou LinkedIn, Facebook, etc. Donc nous les épluchons et nous essayons d'en tirer donc les conséquences derrière. Et donc on en fait profiter également tous nos salariés franchisés pour leur montrer que le travail qu'ils font porte ses fruits et on le voit de toute façon dans le résultat des chiffres d'affaires. Combien de temps dure la formation initiale pour devenir franchisé de Meusy? Alors, si le franchisé n'a pas de compétences particulières dans le monde agroalimentaire, il faut compter 2 à 3 mois pour la partie boulangerie et je dirais un bon mois pour la partie vente et gestion derrière. Et combien de salariés le futur franchisé sera amené à manager? Entre 5 et 10 en fonction de l'emplacement et du volume d'affaires que ça générera. Quel est l'apport personnel à prévoir pour rejoindre votre réseau? Alors aujourd'hui, donc on demande 25 à 30% d'apport pour un investissement entre 300 et 400 000 euros au global. Donc ce qui fait qu'on demande en règle générale entre 70 et 100 000 euros d'apport pour lancer le premier magasin. Avant de conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer aux porteurs de projets qui souhaiteraient éventuellement rejoindre un réseau comme le vôtre? Oui, donc à tous les futurs porteurs de projets, donc notre originalité concerne vraiment la recherche de l'excellence, mais aussi à travers des partenariats avec des chefs étoilés et le Collège culinaire de France auquel nous adhérons depuis 2017. Pour savoir qu'on a été coopté par ces grands chefs pour entrer dans le Collège culinaire de France, qui consiste à promouvoir la gastronomie française en réalisant bien sûr tout nous-mêmes avec des matières premières nobles, sélectionnées vraiment avec des artisans, des producteurs qui ont le même raisonnement que nous, en local également, et donc valider tout ça par ces grands chefs, dont les grands noms de la gastronomie française, que sont Bocuse, Robuchon, Ducasse et d'autres. Pierre de Meusy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes PDG de Maison de Meusy et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci à vous et à très bientôt.